Bonjour, aujourd'hui je vous présente le KEF KC62, le tout nouveau caisson que nous venons de sortir sur le marché. L'idée du caisson, en fait, c'est que le plus souvent, on veut tous un gros grave, on veut tous pouvoir aller très très loin, avoir les infragraves, beaucoup de lisibilité, et ça impose le plus souvent un gros caisson, ce qui est un petit peu antinomique, parce qu'on aimerait bien sûr avoir quelque chose de discret qui ne prenne pas trop de place. C'est sur ce concept que nous avons travaillé en fait chez KEF et nous avons développé de nombreuses technologies pour arriver à un caisson qui est de taille extrêmement réduite. Le KC62 que vous voyez ici est un caisson qui fait 25 cm de côté dans toutes les dimensions, qui est un caisson en fait qui va utiliser des technologies vraiment originales. La première technologie que nous utilisons, on l'a déjà dans quelques enceintes chez nous, comme la Blade par exemple, ou pourquoi pas des systèmes comme le KF92 qui a le caisson au-dessus, mais ça s'appelle le système en fait de force cancelling, en fait, c'est-à-dire d'utiliser deux haut-parleurs, donc un haut-parleur d'un côté, un haut-parleur de l'autre. Ces deux haut-parleurs en fait se rejoignent au centre et permettent d'avoir chacun une vibration opposée l'une à l'autre, évitant en fait d'avoir la moindre vibration sur le châssis. On va comme ça avoir beaucoup de niveaux de sonore, on rajoute 6 dB de niveau sonore, le tout couplé à des gros amplificateurs. En l'occurrence ici, on a 500 watts pour chacun des 16 cm qu'on voit là, donc on a 1000 watts. Un DSP qui vient contrôler en temps réel, également un système qui permet de mesurer le réel des battements de la membrane. Tout ça permet en fait de très bien contrôler le fonctionnement du haut-parleur afin d'avoir zéro vibration. Maintenant, même quand on a ce système-là où on met deux haut-parleurs dos à dos, on a un problème de place. Ces haut-parleurs, naturellement, comme on va leur donner 500 watts chacun, ont besoin d'aimants extrêmement costauds. Donc, ce qu'on a développé, en fait, c'est une technologie qui s'appelle le Unicore, pour parler à la française, Unicore à l'anglaise, qui consiste en fait à marier deux aimants l'un dans l'autre. Donc, en fait, au lieu d'avoir deux gros aimants, on a un très gros aimant et on va jouer en fait sur deux bobines totalement différentes. Un haut-parleur, pour se débattre, a besoin donc d'être alimenté. Il va pour ça avoir derrière cette membrane une petite bobine. Cette bobine, en fait, elle, c'est elle qui va se débattre lorsqu'on envoie du courant. Donc, on va d'un côté avoir une grosse bobine et de l'autre côté, on va avoir une plus petite bobine. Donc, en fait, les deux vont se chevaucher, mais vont avoir les caractéristiques strictement identiques. C'était ça la partie très compliquée à développer. L'idée est vraiment d'avoir comme ça un aimant qui est moins encombrant, ce qui permet de rendre l'objet le plus compact possible. Compact, mais avec toujours donc cette grosse puissance. Aucune vibration grâce au système qu'on a développé donc d'aliénation des forces. Le châssis est en aluminium extrudé, ce qui permet de lui donner bien sûr une forme sympathique, également d'avoir une forme un petit peu arrondie, va être un peu plus résistant pour tout ce qui est vibration. Ça permet également d'avoir une structure qui est plus fine, donc on a plus de volume de charge parce qu'on sait qu'on a besoin de place pour qu'un haut-parleur puisse se débattre sans trop gêner l'autre. Et également, l'idée, c'est que comme on a quand même 2 x 500 watts, c'est que ce matériau serve un petit peu de radiateur également. Légèrement chauffé, ça ne va pas devenir une poêle à frire, mais ça va permettre d'éliminer la chaleur pour que le haut-parleur puisse fonctionner correctement et que l'ampli puisse fonctionner correctement. On est donc sur des amplis en classe D, qui sont des amplis très performants, qui vont avoir un très gros rendement, qui vont très peu chauffer, associés donc à ce système Unicore, associés à ce système d'annulation des forces, on arrive à vraiment rendre un objet très compact. À la mesure, c'est un produit qui est extrêmement impressionnant. On descend réellement à moins 3 dB à 11 Hz. 11 Hz, c'est vraiment une fréquence extrêmement basse, donc on peut parfaitement utiliser ce caisson, en plus dans un système au cinéma bien sûr, mais pourquoi pas rajouter sur une paire d'enceintes IFI traditionnelles, même des belles colonnes, on ira beaucoup plus loin, avec bien sûr en plus des capacités de réglage pour s'adapter à la pièce qu'on n'aurait pas sur une enceinte traditionnelle ou un ampli traditionnel. Pour ce faire, on a développé une platine assez complète. On va retrouver les fonctionnalités traditionnelles qui sont les réglages de volume, les réglages de fréquence de coupure, mais on peut également rentrer, si on le souhaite, par un petit domino qui est fourni en haut-parleur directement. Donc on n'a pas besoin d'avoir un ampli IFI avec une sortie pré-out traditionnelle, on peut directement utiliser le système entre guillemets en triphonique. On peut bien sûr également rentrer en RCA et même ressortir en RCA si on le souhaite pour aller sur un deuxième caisson ou utiliser ce système pour chaîner vers d'autres enceintes si on le souhaite. L'idée également, c'est qu'on va pouvoir adapter le caisson à la pièce. Alors chez nous, pas de système de calibration de micro qui serait souvent assez basique pour pouvoir rester dans un package de prix contenu. Nous, notre savoir-faire, c'est vraiment l'acoustique. On sait parfaitement comment un caisson fonctionne dans un coin, contre un mur, dans un meuble. Et c'est là où justement, on va avoir 5 positions
de paramétrage qui vont déjà faire une grosse partie du travail, en plus d'affiner bien sûr la fréquence de coupure et le niveau, là, à son goût et à sa pièce. On va donc avoir un réglage en fait de base qui permet de mettre le caisson en gros au milieu de la pièce, où là le caisson va donner le maximum de ce qu'il peut donner. Par contre, si on le rajoute, si on le rapproche d'un angle, d'une pièce, on va devoir calmer un petit peu le grave, et donc on a une position pour ça. Si on le met contre le mur, on devra également calmer un peu moins peut-être que dans l'angle, le grave, pour éviter d'avoir une sorte de grave pâteux, un peu boursouflé, on va pouvoir faire ça. On peut également avoir une option où ce caisson va se mettre dans une bibliothèque, par exemple. Il faudra juste laisser en gros 7-8 cm de part et d'autre pour qu'il puisse respirer. Et dans ce cas-là, on va automatiquement, avec ce petit bouton, très simplement adapter. Après, chacun fait ce qu'il souhaite hein, pour faire le son qu'il préfère. On a également un dernier réglage, qui est le réglage qu'on dit appartement, qui permet de limiter peut-être le niveau pour que les voisins ne viennent pas vous disputer si vous écoutez un petit peu trop fort. Ça donne de l'ampleur, mais ça ne va pas venir envahir la pièce et votre immeuble. Donc c'est un produit qui est extrêmement complet avec cette platine. Parallèlement, on peut également aller dans une version sans fil. Alors, la version sans fil n'est pas intégrée parce que vous êtes sur un châssis effectivement en aluminium qui ne permettrait pas de faire passer les ondes. Donc on a un système, comme on l'a peut-être déjà montré, en deux éléments. On a ici l'élément, donc c'est le récepteur. Et ici, on a l'émetteur. L'émetteur va se brancher sur un amplium cinéma en RCA, sur n'importe quelle enceinte active chez nous, pour pouvoir après transiter. Alors ce petit module, en fait, va fonctionner en 5 GHz. Donc il va venir sur une fréquence où il n'y a pas trop de monde, où il n'y a pas de saturation du réseau. Et en fait, il va même aller sur deux fréquences à 5 GHz différentes. Ce qui permet après de communiquer sans perturbation avec le petit module, à une distance tout à fait raisonnable dans une pièce normale. On peut communiquer si on le souhaite, si le caisson n'est pas trop près des enceintes, et si bien sûr on veut éviter de mettre un câble. On peut même, si on le souhaite, en fait aller plus loin et récupérer un deuxième petit module qui permettrait d'avoir deux caissons, vu qu'ici, en fait, l'émetteur a deux fréquences en 5 GHz disponibles. Donc on peut mettre un caisson à l'avant de la pièce, je pense surtout en home cinéma, et un caisson peut-être à l'arrière pour donner un grave vraiment homogène dans la pièce qu'on veut sonoriser. Donc c'est un petit outil qui est pratique, permet d'éviter du câblage et surtout qui est qualitatif. On ne va pas avoir de perte sonore et on ne va pas être gêné par le réseau. On sait qu'il est souvent, en particulier en 2,4 GHz, assez occupé, assez saturé en France. Ce caisson donc, va exister après en plusieurs coloris, comme ici en blanc avec les haut-parleurs qui sont très légèrement grisés. C'est du blanc mat à chaque fois, ou en noir mat également, avec les haut-parleurs qui sont noirs. L'avantage, c'est que dans un système home cinéma, avec un projecteur par exemple, on ne va pas avoir de laquage qui ferait que ça brille et qu'on voit l'objet. C'est une des raisons. Au niveau tarif, on est à 1499 € le caisson, et il arrive, en fait, équipé bien sûr avec son câble secteur. Après, à soi de choisir le câble qu'on veut pour relier aux enceintes, ou pourquoi pas, en option, à 200 € le petit module KW1 qui permet de le piloter en sans fil.